Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sagesse Matinale, votre rendez-vous quotidien. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle saison, cette ère du digital où en ce moment, par exemple, vous êtes une multitude de personnes à être connectées. Des quatre coins du monde, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin et à nous avoir rejoints virtuellement sur Paris. Nous sommes à Paris. Vous, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vous êtes, d'où vous êtes connecté? Faites-nous signe sur le chat, s'il vous plaît. Nous voulons juste savoir où vous êtes connecté. Alors, pouvoir rassembler un si grand nombre en un même lieu, alors que nous provenons d'endroits différents, c'est une avancée que les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui. Et c'est un phénomène que la crise sanitaire a accentué. Nous pouvons le voir, nous pouvons le constater. L'Église de Jésus-Christ a dû, elle aussi, s'adapter à ce mode de communication en se digitalisant. Oui, nous nous sommes digitalisés. Méga Impact Conférence, une expérience digitalisée. Et oui, nous avons dû nous en faire et nous adapter également, nous mettre au diapason. Alors, même si on y trouve de très nombreux bienfaits, il y a tout de même des pièges à éviter que nous avons observés. Église à la carte, mythe ou réalité, c'est le thème du jour, le thème que nous allons aborder avec vous. Alors ce matin, nous allons vous titiller un peu parce qu'à travers certaines mauvaises habitudes observées, vous allez peut-être vous reconnaître, oui vous reconnaître, oh, peut-être pas vous, non, pas vous, votre voisin, une personne que vous connaissez certainement, hein? Pas vous en tout cas. Alors ce matin, je ne suis pas seule. Pour mener ces échanges, je suis accompagnée de Sita et de Renate. Bonjour mesdames. Bonjour Pasteur Maud. Ravi de vous revoir là sur ce plateau. Oui, vous hein, retrouvez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est vrai. Hein. Quand on est là, on n'a plus envie de se quitter. Exactement. Partir, on est concentré. Ouais, ouais. Alors ce matin, Église à la carte, c'est notre thématique. Alors qu'est-ce qu'on entend par Église à la carte? Alors justement, tout à l'heure, Pasteur Maud, tu as dit qu'on allait un petit peu titiller, un petit peu nous titiller. Mmh. Donc avant de revenir sur la thématique l'Église à la carte, on va prendre le temps un petit peu de voir un petit peu ce que... Comment est l'Église aujourd'hui? C'est vrai qu'on bénit le Seigneur parce que l'Église, par la grâce de Dieu, comme tu as dit, elle a su se digitaliser et l'Église grandit. L'Église se développe et l'Église aujourd'hui, on la voit, elle se déploie. Donc vraiment, gloire à Dieu. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que l'Église aujourd'hui a des challenges, tout comme l'Église primitive pouvait en avoir. Et c'est vrai qu'on voyait Paul, à l'époque, il écrivait des lettres et il encourageait en fait les chrétiens dans leur consécration, mais aussi il leur donnait des conseils, il leur donnait en fait des conseils par rapport à leur attitude, la manière dont ils se comportaient, sur certaines pratiques qu'ils pouvaient avoir. Mais aujourd'hui... Paul n'est pas là. Non, Paul n'est pas là. Donc c'est nous qui sommes là. Mais on peut quand même se poser la question, si Paul devait envoyer une lettre à l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dirait au fait? Qu'est-ce qu'il nous poserait comme question? Qu'est-ce qu'il nous donnerait comme recommandation? Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre le temps de regarder un peu quels sont les challenges que l'Église vit aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de donner des éléments pour aider l'Église à pouvoir traverser cette saison de la meilleure façon qui soit. C'est important, donc, d'aller jeter un coup d'œil sur les challenges, les défis de l'Église aujourd'hui, l'Église digitalisée, l'Église qui s'est mise à la page. Il fallait bien, hein, sinon, qu'est-ce qu'on allait faire après le confinement ou pendant le confinement, c'était un peu compliqué. Donc, c'est une avancée, mais à côté, il y a des dangers. Donc, quels sont les challenges? Très bien. Alors, on va regarder un petit peu aujourd'hui l'Église d'aujourd'hui. On va un petit peu zoomer sur l'Église d'aujourd'hui. Alors, une des choses que l'on voit encore aujourd'hui hein, subsister, c'est les querelles. Alors, les querelles... Alors, les querelles, ce sont des disputes, en fait. Ce sont des échanges, enfin, des disputes que l'on peut avoir avec une tierce personne sur des motifs, en fait, qui nous semblent être légitimes, hein, tout à fait. Mais on voit très bien que ce sont vraiment de pures distractions, en fait, et qui peuvent vraiment nous mener à notre perte. Donc, d'ailleurs, la Bible dit dans Galates 5, verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. » Vraiment, en fait, la Bible le dit, hein, la Bible en parlait déjà. Et également dans Proverbe 26, versets 21 à 22, on dit que le charbon produit un brasier et le bois du feu.
Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des péchés qui sont flagrants, la masturbation, etc. Mais il y a des choses, en fait, qui ont l'air, qui sont comme des friandises. C'est-à-dire, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, on est là, on est en train de chercher, on est en train de parler, de rapporter. Un petit morceau appelle l'autre petit morceau. Un petit morceau, ainsi de suite. On a mis le pied dedans et puis cacahuète. Exactement. Exactement. Et la friandise, c'est sucré, c'est goût au départ, c'est doux au départ. Mais il y a des conséquences quand on en mange trop. Et là, il y a des conséquences, parce qu'on dit qu'elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et les entrailles, c'est quoi? Les entrailles, c'est l'endroit en fait où nous allons porter la vie. Et en fait, quelque part, en fait, ces friandises qui ont l'air sucrées, qui ont l'air appétissantes, finalement finissent par nous détruire. C'est vraiment important en fait aujourd'hui. Et donc, en fait, aujourd'hui, si tu as ce que tu dis, moi je le constate aussi, on est dans l'église du 21e siècle où on voit que les gens étant dans la même famille, mais attisent les querelles. C'est comme si c'est devenu à la mode. Oui. Il faut qu'il y ait des querelles, il faut qu'il y ait des disputes, il faut qu'il y ait des sujets qui donnent envie. C'est comme si, quelle est la nouvelle actualité? Exactement. Quelle est l'actu du moment? Qu'est-ce qui se passe dans telle église? Tu as entendu? Voilà. Donc, c'est comme si les gens étaient à la recherche de ce type d'informations et n'arrêtaient pas de pouvoir attiser, nourrir. Voilà. Quelqu'un apprend une information, maintenant avec les réseaux, ça va vite. Pouf, très, très vite. Il transfère, il envoie à l'autre, tu as entendu? Pour nourrir ça, et ça devient comme une friandise qui descend jusqu'aux entrailles. Et le Seigneur dit que ce n'est pas quelque chose de bon. Pas du tout. Voilà. C'est des genres de péchés qu'on tolère, en fait. Les gens le tolèrent pas mal. Ouais. Parce que souvent, on va l'introduire par vraiment, il faut qu'on prie pour l'affaire. Ça a l'air très spirituel. Voilà, ça commence comme ça, et puis jusqu'à la fin, on n'a jamais entendu la prière sortir. Voilà. Et même quand la prière sort, c'est pas bien dirigé, en fait. Voilà. Bref, on est dans ça. Ouais. C'est la saison où ça circule. Et puis, aujourd'hui, c'est à un clic près. C'est vraiment à un clic près parce que, voilà, on est digitalisé. Donc, une nouvelle qui vient. Des fois, c'est étonnant de voir, ça peut arriver des situations qui sont vraiment difficiles sur les réseaux sociaux. Mais tu te dis, un chrétien partage ça pour faire quoi? C'est quoi le but? Est-ce que tu vas édifier ton frère en partageant une telle information? C'est une information que tu as lue, tu prends ton temps, tu pries. Tu n'as pas besoin de le partager. Que tu n'as pas eu le temps de vérifier. Tu ne sais pas si elle est vraie. Tu ne sais même pas si elle est véridique. Tu ne connais pas la source. Tu ne connais même pas la personne qui l'a écrite. Voilà. Tout de suite, c'est une info à partager. Et tu partages. Voilà. Et il y a des gens maintenant dans l'église qui ne vivent que de ça. C'est ça. Des news, là. Quelqu'un se lève le matin, quelle est la nouvelle info, là? Quelle est l'actu du moment? L'actu du moment. Voilà. C'est ça. Et au-delà des querelles, on voit, dans les querelles même, je dirais, il y a la dimension de la jalousie. La jalousie, elle date pas d'aujourd'hui, elle a commencé depuis Genèse. Hein, comme on peut lire, on connaît tous l'histoire d'Abel et de Caïn. Dieu lui a parlé, lui a dit, attention, le péché est couché devant ta porte, mais toi, tu dois dominer sur ça. Mais aujourd'hui encore, on voit les jalousies dans l'église. Un frère qui est peut-être proche des pasteurs, un autre va dire pourquoi c'est lui, ou encore une personne qui vient d'arriver à l'église, qui progresse par la grâce de Dieu. La personne a des grâces qui font qu'on lui donne des tâches, on les responsabilise. Ceux qui sont là, comme pasteur Yvan aime bien le dire, les cocobars, ils réagissent, ça crée des groupes, des attroupements, des personnes qui vont se mettre à médire, à mal parler de l'autre. Et on se met ensemble comme ça pour se détruire mutuellement. La comparaison s'ajoute à cela. C'est des choses qu'on voit, ça date pas d'aujourd'hui. Donc Paul, il serait juste surpris au fait de voir que... Mais il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez pas vu toutes les lettres que j'ai écrites aux églises, aux églises de Corinthe, aux églises d'Éphèse. J'ai parlé déjà de ces choses et vous êtes encore assis dedans. Et vous lisez la même Bible dans laquelle j'ai écrit mes lettres, en fait. Voilà. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est des fléaux qui continuent. C'est ça, ça continue. On pense qu'on n'arrive qu'aux autres. Donc, c'était dans le passé. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement présent, là. Tout à fait. Malheureusement. C'est bien dommage. Hein. Et puis, en parcourant, effectivement, après les jalousies, moi, j'ai noté aussi ce qu'on peut voir, parce que je suis pasteur et c'est ce qu'on voit, des fois, au quotidien, la course au pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui veulent absolument, coûte que coûte, arriver à un certain niveau, c'est-à-dire que, pas à un certain niveau, à une certaine position. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans l'église, j'estime que ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là,
je ne suis pas assez proche du pasteur, donc je dois tout faire, quitte à donner des coups de coude, mais je dois absolument tout faire pour que le pasteur me voie, qu'il me remarque ou tel responsable me voie. Parce que s'il me voit, alors je pourrais être bien positionné. Hein? Ce n'est plus une histoire genre je viens servir le Seigneur, mais je veux me positionner pour être visible. Ou les gens qui viennent simplement parce qu'ils arrivent dans l'église et ils pensent qu'il y aura, et donc ils veulent avoir une carrière dans l'église. Voilà. Moi, je veux être... Et malheureusement, ce qu'on voit, on a vu ça également dans la Bible. Alors, je parlerai des disciples qui se chamaillaient entre eux, qui se disputaient un peu, qui commençaient à dire à Jésus, mais bon, quand tu seras, voilà, quand tu seras roi, là, quand ton pouvoir va arriver, là, qui sera ta gauche, qui sera ta droite, voilà. Ça, c'est très humain. Voilà, on peut le comprendre. Mais, et certaines personnes aujourd'hui prennent pour référence les disciples que, ouais, même les disciples eux-mêmes aussi, bah, au temps de Jésus, ils posaient ces questions à Jésus. Mais attention, les disciples, ils posaient les questions à Jésus, mais c'était avant l'arrivée du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore la relation avec le Saint-Esprit. Donc, ils pouvaient éprouver des choses qui sont charnelles, des choses qui ne sont pas tolérées par le Seigneur. Et c'était plus fort qu'eux. C'est-à-dire que ça s'exprimait par leur bouche, par les questions qu'ils posaient au Seigneur Jésus. Et donc, ils se positionnaient en tant que tels. Voilà. Entre eux, il y avait un peu de bousculade. Voilà, je veux me positionner, je vais être proche de Jésus. Voilà. Mais en tout cas, il y a un qui n'ont jamais réussi à détrôner, c'était Jean. Hein. Ah. Genre, personne ne pouvait l'enlever de la poitrine de Jésus. Il avait trouvé la bonne position. Voilà. Ouais. Donc, mais ça court. Et encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, ce que tu dis, en fait, on n'a pas réussi à détrôner Jean, parce qu'en fait, c'est la motivation, en fait. C'est pas mauvais d'avoir des aspirations. C'est pas mauvais d'aspirer à des choses grandes. Parce que Dieu nous appelle à des choses grandes. Mais c'est, ce qui n'est pas bon, c'est l'aspiration de notre cœur. Et quand l'aspiration de notre cœur est mauvaise, la motivation n'est pas bonne, ce sont des vaines gloires, ça dure pas longtemps, en fait. Mais quand on a un cœur qui est pur, même si on fait des erreurs, Dieu nous fera toujours grâce, en fait. Tout à fait. Et souvent, on va entendre des gens dire... malheureusement, on retrouve les mêmes attitudes que les gens ont dans le monde, on les retrouve dans l'église. Parce que les peaux des bananes, il y en a. Ah oui. Il y a des personnes qui vont empêcher une autre personne de se rapprocher des responsables ou des pasteurs parce qu'elle a une ambition personnelle. Elle s'est dit, elle, je vois qu'elle a du talent, elle a des capacités, elle a des choses. Si je la laisse traverser, peut-être que je n'aurai pas mon opportunité. C'est des choses qui courent encore aujourd'hui au niveau de l'Église, qu'on prie vraiment par la grâce de Dieu qu'on puisse sortir de ça. Amen. C'est vraiment une prière. Là. C'est vraiment une prière. Ouais. Voilà. Bien-aimés, on parle de ces choses non pas pour parler, pour papoter. Non, on est juste en train de souligner, de relever des choses qui, aujourd'hui, nous remarquons hein, dans l'Église du 21e siècle, les choses qui se passent, mais les choses qui déplaisent au cœur de Dieu. Voilà, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous appelait à être. Il y a autre chose, il y a des exemples. Si l'apôtre Paul a écrit toutes ces choses dans ses lettres aux différentes églises, c'est pour nous permettre, nous aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle, nous qui avons bénéficié de la grâce de recevoir le Saint-Esprit, que nous puissions vivre autrement notre vie. Amen. Voilà. Amen. Juste ça, ça veut dire que si quelqu'un qui est connecté à cette émission à ce genre de pensée, va se dire que non, là, c'est pas ce que le Seigneur... Ça ne doit pas être ton partage, ça ne doit pas être mon partage. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il y a un autre fléau dont on voulait parler aussi, c'est le désir d'être connu. Le désir d'être connu est très fort. Et comme tu le disais à l'introduction, Pasteur Maud, le fait qu'on est digitalisé, hein, on a pas mal des réseaux sociaux aujourd'hui, on est vraiment à un clic de la personne qui se trouve à l'autre bout du monde. Jésus l'avait dit qu'on allait faire des grandes choses, même plus grandes que lui. Ah oui. C'est vrai mais pas dans ce sens-là. Ah oui, non, sur le pont, là, en temps de Jésus, il n'y avait pas Internet. Voilà. Mais... Aujourd'hui, on a Internet, on a cette grâce-là. C'est une bonne chose d'avoir Internet. Oui. La preuve, on est connecté aujourd'hui. Les gens nous regardent par les biais des nouvelles technologies. Ils sont connectés un peu de partout, d'ailleurs. De partout, voilà. Donc, on bénit le Seigneur. D'ailleurs, je profite pour vous inviter à partager ce moment. C'est un moment qui pourra bénir un frère. Donc, c'est des bonnes choses. Mais on se rend compte que en arrière, il y a des personnes qui utilisent aussi ces plateformes pour assouvir leurs propres désirs, au fait. Wow. C'est que aujourd'hui, tu prends, tu as besoin d'une bonne caméra, un bon téléphone. Il faut juste avoir un bon téléphone. C'est tout. Tu te mets et puis tu commences à parler. Tu as un public.
Là où hier, on avait besoin d'avoir une salle, tout ça, on n'a plus l'autorisation de se retrouver, de se réunir. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça, en effet. Il n'y a plus besoin de tout ça. Donc, ça devient accessible pour les gens. Et même ceux qui n'ont pas un appel, même ceux qui... Monsieur, madame, tout le monde se lève, il devient orateur, pasteur, prédicateur, prophète. Il y en a plein sur les réseaux. Waouh. Ben, bien aimé, ce n'est pas des choses réjouissantes. Hein. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit ce matin également, la Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Amen. Si ce sont les pratiques que vous voyez autour de vous, bien aimé, dis-toi que ce n'est pas mon partage. Dieu ne m'a pas appelé à cela. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Quand il y a une avancée technologique, je dois me servir de cette avancée, effectivement, pour permettre à l'évangile d'avancer. Oui, gloire à Dieu. Mais attention à l'usage que je fais de l'outil qui est devant moi. Parce que si je commence à me servir de cet outil pour les querelles, pour les comparaisons, ou pour qu'on me voie, au lieu que Christ soit visible à travers moi. Alors là, j'ai tapé à côté, donc je vais lire tout le verset. « Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit l'apôtre Paul à l'église de Rome, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul a dit, Paul nous dit encore aujourd'hui. Il n'est pas là dans l'église aujourd'hui, mais il nous parle à travers la lettre qu'il a écrite à l'église de Rome. Donc, bien aimé, les gens cherchent les likes, les gens cherchent les vues, les gens cherchent à être adulés, la popularité, à paraître. Toi, tu ne dois pas chercher cela. Ce n'est pas ton partage. Si Paul était là, voilà ce que Paul te dit. Ne te conforme pas. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi, tu dois faire. S'il y a une chose que tu dois faire, que Dieu approuve, que tu as le cœur pour les âmes, le cœur pour les gens qui sont perdus, bien aimés, est-ce que tu sais-tu que rien qu'en prenant un rendez-vous hebdomadaire de prière pour prier pour toutes les âmes perdues dans le monde entier, dans le lieu secret, tu seras en train de réjouir le cœur de Dieu et tu seras en train de résoudre un gros problème. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des ouvriers qui sont prêts à se lever de bonne heure à 4h, 3h, 5h du matin et qui fléchissent leurs genoux, commencent à intercéder pour le monde afin que les âmes soient sauvées. Et non pas les ouvriers qui ont la force d'être ouvriers juste devant une caméra. Non, ils ne cherchent pas cela. Tu sais, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de toi et de moi. Il disait que si l'homme ne l'acclame pas, il va même susciter les pierres pour l'acclamer. Ça veut dire qu'en fait, si toi, tu penses que c'est ta caméra là, avec là où tu l'as positionnée, c'est ça qui fera en sorte que les hommes et les femmes vont se convertir, tu as tout raté. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est lui qui fait à travers toi. Si c'est lui qui te demande de le faire, alors fais-le. Mais attention à vouloir avoir les caméras sur toi. Laisse que le monde voit les caméras. Et le caméra soit dirigé vers Jésus. Amen. Voilà ce que nous voulons te dire sur ces dangers qui guettent l'Église. Il fallait qu'on en parle ce matin. Oui, c'est vraiment... tellement important, voilà. Il fallait qu'on en parle ce matin, voilà. Il fallait vraiment qu'on en parle. Et c'est vrai, hein, on voit tellement ce fléau venir. Et je dis un grand amen à tout ce que tu as dit, Pasteur Maud, parce que vraiment, on doit libérer les gens qui sont sur un mauvais chemin. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils annoncent l'Évangile et qu'ils sont sur la bonne voie. Mais Paul a dit également à l'Église de Philippe que, de toute manière, il y a des personnes qui annoncent la parole avec un mauvais cœur, mais le Seigneur des fois laisse les personnes parce que de toute manière, quelle que soit en fait la manière, l'évangile est annoncé. Mais le plus important, c'est aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on soit aussi jugé convenablement à la fin de notre ministère. Mm-hmm. Tu voulais dire quelque chose Je voulais juste appuyer ce que tu dis. Il dit ça effectivement, mais le problème c'est que toi, la personne qui te met en avant pour aller prêcher l'évangile alors que ce n'est pas ton travail. Tu ne reçois pas la bénédiction Exactement. Qu'il faut. Parce que Dieu t'attend ailleurs. Ce n'est pas là-bas qu'il t'a envoyé. Il ne t'a pas accompagné là-bas. Des fois, tu vas penser qu'il y a des foules qui te suivent. Aujourd'hui, écoute, la personne qui est derrière sa caméra, tu ne sais même pas c'est qui. Donc, la personne, elle se connecte. Toi, tu te dis, j'ai 4 vues, j'ai 5 vues, j'ai 1000 vues. On ne sait pas c'est qui. Et puis, les personnes, est-ce qu'elles te suivent vraiment? Exactement. Tu vois, est-ce qu'elles te suivent vraiment? Ou bien elles aiguisent juste leur curiosité. C'est tout. Il y en a qui vont cliquer juste pour voir c'est qui ça. Voilà. Et puis, qui passent à autre chose. Mais, et toi, tu dis, tu as une vue. J'ai une vue. Voilà. C'est ça. C'est vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ouais, ce que tu dis, en fait, c'est interpellant parce que c'est un peu une mise en garde aux personnes qui vont s'exposer trop vite. De la même manière que tu vas voir très rapidement
prend peut-être 1000 vues ou plusieurs likes, ce monde digital est aussi, peut se retourner contre toi, en fait. De la même manière que tu as été acclamé, les pouces sont levés, mais après, les pouces aussi peuvent tourner dans l'autre sens. Voilà, donc voilà. C'est vraiment c'est une mise en garde aussi pour les personnes qui se lancent comme ça trop tôt, dans un monde, en fait, qu'ils ne connaissent pas. Amen. Très bien. Donc, waouh, on a dit pas mal de choses. On va continuer, on va poursuivre. C'est vrai, hein, tout ce qui a été dit est vrai. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur, comme on l'a dit. Je le répète encore, nous ne sommes pas en train de dire qu'il est mauvais d'aller sur les réseaux. Non. C'est si Dieu, tout dépend de la motivation, Amen. Également de ce que la volonté parfaite de Dieu nous dit. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid-19 hein, et cette pandémie qui sévit, nous avons l'Église a dû se réajuster et de nombreux cultes aujourd'hui sont en ligne. Et c'est vrai que c'est un plus. Aujourd'hui, on peut se connecter à plusieurs paroles, on peut se connecter bien qu'on soit confiné à la maison, donc c'est vraiment un plus. Mais cela aussi a amené un phénomène que l'on va justement, dont on va échanger, donc c'est le sujet du jour. Donc sans plus tarder, je vais laisser la vidéo et ensuite nous reviendrons pour échanger sur ce que nous verrons. L'Église à la carte, le phénomène zapping. On y va, à vous la régie. L'église à la carte. L'église à la carte, l'église à la carte. Ceux qui ont pris les mauvaises habitudes. Ah, c'est le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Ah Seigneur, merci pour cette journée. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Alléluia. Ah oui, c'est dimanche, alors il faut y aller, toc, 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 et puis là, les clés, ma Bible et tout. Cette histoire de masque là, ça va m'étouffer, c'est n'importe quoi. Oh Seigneur, je tousse même déjà. Dès que je le mets, dernièrement je me suis mouchée, j'avais plein de fibres. Mon Dieu, comment est-ce que je vais faire là? Non mais c'est pas possible, non, avec ça, je pense que ça va m'étouffer, j'en ai marre de cette muselière là. Oh là 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 là. Seigneur, en tout cas, ce dimanche, c'est l'église digitale. De toute façon, Dieu voit le cœur. Même le pasteur me connaît. Je ne suis pas quelqu'un. Oh mon Dieu. Ceux qui manquent de sagesse et qui doivent revoir leurs priorités. Ah. 8 heures. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour les parents qui sont restés au pays. Amen. Ah, 8h. 8h, j'ai vraiment le temps de me connecter au culte. Alors, qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme message ce matin? Oh! Non! Mais ça, c'est quel genre de nouvelle, ça? Attends, il faut que je l'appelle. Allô? La grande, oui. Mais c'est quoi cette affaire-là? Oui, donc le bishop, là, il a été mis à pied. Oui, non, je sais lequel. Celui qui est dans la ville de Sokuna, là. Non! Enfin, on l'a démasqué! Je t'ai dit, je ne sentais pas ce gars-là. Non, c'est un faux, je t'ai dit. Il n'est pas consacré. Il fallait faire une prière là. Il était léger. Et puis, tu vois, quand il bouge là, ça, c'est le genre de gars. Non, c'est des faux convertis. Non, ce ne sont pas des vrais. Je t'ai dit, laisse ça. D'ailleurs, tant mieux. Ça, c'est des gens de prière. On soupirait depuis pour que le pasteur voit. Hein? Dieu, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Enfin! Je vais te laisser, hein. Bisous. Prends soin de toi. Que Dieu te garde. Oh, 10h45. Mais je suis en retard. Ceux qui oublient que l'église en ligne, c'est aussi garder la bonne attitude. Ah, le culte a commencé. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une source en moi. Il y a... une source en moi qui jaillit dans... Oh! Ah, c'est un puissant message hein, de l'église de Tabernacle de Miracle. En moi et qui coule du fond du cœur. Ah, oh
mais elle aussi. Mais là, non, mais franchement, elle aussi. Ça, c'est quelle tenue, ça? Mais les chantres d'aujourd'hui, là, c'est pas possible. À mon époque, c'est pas possible. C'est une tenue moulante, sœur. Il y a des frères qui sont pas encore affermis. Du fond du cœur, vers toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Je te loue, Seigneur, je te loue. Je te loue. Ceux qui pensent que l'église, c'est à la carte. Ah, bientôt, les messages vont commencer. Écoute, on va voir ici qu'est-ce que l'église Vase d'Or nous présente. La sanctification et la purification. Ah non, moi, ces choses-là, c'est passé depuis. Hein. Jésus m'a purifié de tout péché. La prospérité à tous égards. Alors là, c'est ça vraiment que je veux. Ça, super. Ceux qui oublient que le culte en ligne se prépare aussi. Ceux qui trouvent toujours des excuses. Bon, là, c'est le temps des offrandes, là. Oui, mais... On peut mettre combien, là? Ah non, mais tu vois, tout ce qu'on a fait, on doit payer Yahoo, on doit payer Google, on doit payer EDF. J'ai plein de factures, on va voir ça. Oui, mais le problème... Le Seigneur pourvoira pour l'église. Attends, laisse-moi un peu chercher l'application de l'église, là. J-Smart JCC. Voilà, c'est ça. Attends, mais c'est pas difficile. Non. Prénom, oh. Groupe sanguin, passeport vaccinal. Voilà ça. Oh, Internet. Eux, non, eux aussi ils abusent. C'est ça Internet. Non, ça c'est exagéré. Oh non, mais attends. Bon, non, c'est bon, on va faire la prochaine fois. Et surtout quand ça les arrange. Ah chérie, tu vois le sac dans le site, sur le site d'Amazon là. Il est joli, hein. Comment tu trouves ça? Donne-moi ta carte là, s'il te plaît. Je veux passer la commande. Ah oui, toi aussi, donne-moi la carte. Non, bah tiens. Voilà. C'est ça plus vite. Merci, oh, c'est super. L'église à la carte, l'église à la carte. Alors, je sais pas. Là, je sais pas pour vous, mais nous, là, sur le plateau, on était juste. Ouh là 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 là, en train de se plier en quatre. Exactement. On rit, mais c'est grave quand même. Hein? Exactement. Mais mieux vaut en rire, parce que sinon. Mais mieux en rire qu'en pleurer. C'est vrai que ce sont des situations qui sont dénoncées. Mm-hmm. Alors, tout à l'heure, tu disais peut-être que certains se sont retrouvés, pas vous, mais votre voisin. Mm-hmm. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent de ce sketch. Hein? Mm-hmm. Et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Le zapping, l'église à la maison, etc., les attitudes, et c'est un petit peu ça sur lesquelles on va un peu partager justement tout de suite. Alors justement, quand on voit ça, Pasteur Maud, on est au culte, à la maison, mais on est quand même au culte. C'est vrai, on est au culte, mais voilà, on est à la maison, mais on est au culte en fait. Voilà. À la maison, la technologie nous a permis de pouvoir rendre un culte à Dieu depuis la maison. En fait, donc du coup, on oublie que on est au culte. Les gens sont plus conscients du fait qu'ils sont à la maison, qu'ils sont au culte, alors que on voit bien le frère se lever le matin. Bon, on va laisser l'histoire du réveil. Alors, on laisse l'histoire du réveil là. Il prend combien? Vous avez compté combien? Il a pris à peine 10 secondes, secondes de prière. Pour dire merci Seigneur, amen. Amen, voilà. Merci Seigneur pour les parents en Afrique. Amen. Et mais tout de suite le téléphone, quoi. Le téléphone, et là, on a plus d'une heure au téléphone, voilà. Donc ça, c'est déjà... Voilà comment le culte, l'église commence. À la maison commence. Pour le frère qu'on a vu tout à l'heure. Et la suite, ben, ça ne nous surprend pas. Mais c'est triste, en fait, voilà. L'église à la maison. Et on voit la sœur... Elle a vraiment la volonté, elle veut aller à l'église, quoi. Elle veut aller à l'église et donc elle se lève, elle commence à rendre grâce parce qu'elle a bien écrit, elle est bien ordonnée. Je suis dans la joie. Tous les versets importants pour elle sont écrits. Donc c'est quand même quelqu'un
qui a une conscience que voilà, je dois rendre un culte à Dieu, voilà. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Donc, elle commence par un chant, elle se prépare. Et là, patatras, le masque, c'est un problème pour elle. Voilà, on sent qu'il soit cette histoire de masque. Le masque arrive à la dissuader de rester à la maison. Que cela n'importe, puisqu'on a la possibilité d'avoir le culte à la maison. Voilà. Maintenant, ce qui nous frappe ici, ce serait bien que, si tu es d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, qu'on puisse définir c'est quoi un culte. Voilà. C'est très important, bien aimé, de définir les choses, parce que je me suis rendu compte, en fait, que nous faisons, certaines personnes font des choses souvent par ignorance. Je suis à la maison et je vais au culte. Alors, je vais suivre. Il y en a qui disent, je vais suivre le culte. Déjà, l'expression utilisée n'est pas correcte, en fait. Voilà. On ne suit pas un culte, mais on rend un culte à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le dimanche, avant le confinement, pour chacun de nous, hein, le nombre que nous étions à l'église, hein, on était nombreux à nous lever bientôt, à prendre les transports et arriver à l'heure et à nous installer parce qu'on venait rendre un culte à Dieu. On prenait le temps de s'apprêter. Je sais que pour nous, bon, pour ceux qui sont venus d'autres des pays, dans d'autres continents, le dimanche, c'était surtout le jour où on s'apprêtait, on mettait son plus beau vêtement. Parce que on pense, et pour, ça n'a pas changé, hein, que c'est le jour du Seigneur et on va devant le Seigneur en mettant son meilleur habit. Alors ça, c'est culturel, mais gloire à Dieu, c'est comme ça que chacun traduit ses pensées. Mais voilà, on met tout même dans notre manière de s'habiller parce qu'on va rencontrer le roi. On va dans la maison du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Tout le monde ne peut pas se venir à l'église. Et donc, cette sœur, elle a un problème avec les masques, ce qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Maintenant, on ne va pas suivre le culte en ce moment-là. On va rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est quoi? C'est en fait, depuis la maison, tu dois vivre une expérience du culte. Comme si tu y étais. Comme si, en fait, en te levant le matin, tu es venu t'asseoir et tu rends un culte à Dieu, voilà. C'est ça, en fait. Rends un culte à Dieu. Et dans le fait de rendre un culte à Dieu, il y a plusieurs phases dans le culte. Voilà. C'est pas juste, je viens m'asseoir pour écouter une prédication, mais non seulement je suis là pile à l'heure, le culte doit commencer par le temps de la louange, de l'adoration, et parce qu'ils vont en nous donnant la parole, et ils nous avaient bien enseigné là-dessus, c'est que dans tout le culte, en fait, il y a un seul moment qui est le moment qui est réservé au Seigneur. C'est quel moment? C'est le moment des offrandes, quand on vient donner à Dieu. Et les autres temps, en fait, c'est comme si c'est un temps pour nous, en fait. On est le temps de l'adoration, le temps de... On se livrait à Dieu. On prend un temps dans la louange, dans l'adoration. Tout ça, c'est vraiment des étapes importantes, des temps, des moments clés importants dans le culte. Donc, ce sont pas des moments à négliger, à banaliser. Quand je vois le frère s'asseoir comme ça, avec son bol de céréales, il n'a pas compris, en fait. Non, voilà. Il n'a pas compris. Est-ce qu'il viendrait dans le culte à l'église avec son bol de céréales? Je me demande. Est-ce qu'il a dit, mais j'ai pas mangé? Hein, je vais manger pendant que je le culte. Amen, pasteur, prêche. Prêche. Voilà, on ne ferait pas ça. Non, on ferait pas ça. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est ce que tu dis. Quand on vient rendre un culte à Dieu, on tous les temps qu'on passe là, c'est pour lui, au fait. On n'est pas en train de chercher une gloire pour nous, mais on vient lui rendre la gloire. Le moment où lui, il décide de nous parler, c'est le moment de la parole. À la prédication, il nous donne une parole, et nous, à ce moment-là, on reçoit. Mais le reste du temps, c'est nous qui le donnons. C'est nous qui allons lui donner. Il y en a qui calculent, qui viennent juste au moment de la parole. Prédication. Alors, de genre, je viens, Seigneur, pour que tu me donnes. Voilà. Mais je ne te donne rien. Je ne te donne pas ce qui te revient à toi de droit. Alors que c'est ce que nous donnons qui est vraiment le culte qu'on lui rend. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un fléau. Ça, et en plus, et c'est pas parce qu'on a donné quelque chose que ça monte, en fait. On a bien vu avec Abel et Caïn, c'est pas parce que j'ai donné quelque chose que c'est monté, en fait. Il faut que l'attitude de cœur, il faut que tout, en fait, monte comme un parfum de bonne odeur. Ouais. Sinon, c'est pas un sacrifice agréable. Parce que c'est vrai qu'il y a la notion de sacrifice, en fait, dans le culte qu'on rend aussi à Dieu. À un moment donné, on a vu la sœur qui disait, ok, j'ai choisi tel culte, ah non, cette parole, je ne veux pas de ça, Jésus m'a déjà sanctifié. Mais on rit, c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et il y a même un monsieur aux États-Unis qui a vu que c'est la façon que les gens veulent maintenant fonctionner. Ça devient un peu à la mode. Ça devient à la mode. Il a décidé de créer une application qui va permettre aux gens
de faire leur église à la carte. Ça veut dire que la personne, tu te connectes à l'application et puis on te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux comme culte? Tu peux choisir de te connecter à la louange d'une telle église. Ensuite, tu décides de faire le temps d'offrande de telle autre église. Par la suite, tu décides d'écouter le message de telle autre église. Tu cliques et puis après, ça te fait un mélange. Et puis, tu t'assois, tu suis. La louange, c'est d'être là-bas, l'église à la carte. L'église, c'est donc cette histoire d'église à la carte, c'est vraiment une réalité. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, aujourd'hui, dans le monde, sur cette terre, c'est une réalité. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Ouais. C'est triste quand même. C'est vraiment triste parce que ça crée une déconnexion. Parce que les gens ne se connectent plus à leur église locale. Comme tu disais tout à l'heure, hier, on quittait la maison pour aller dans un lieu physique, pour faire notre culte, rendre notre culte à Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans la maison et on doit rendre le même culte en créant l'atmosphère dans notre lieu de domicile où on se connecte avec nos frères. Parce qu'on est avant tout des esprits. Hein. Tout à fait. Et il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie. Et aujourd'hui, d'autant plus qu'avant, on est confronté à cette vérité où on doit vraiment réaliser qu'on est vraiment des esprits. Quand on dit qu'on est ensemble, c'est en esprit qu'on est ensemble. Donc, c'est de se connecter à ce culte qui est en direct depuis ton église locale et tu reçois la parole, mais tu donnes aussi. C'est ça aujourd'hui l'église. Aujourd'hui, on ne va pas dans un lieu physique, mais notre lieu physique, c'est notre maison. Et c'est bien quand même d'enseigner là-dessus. Parce que, comme tu le disais, ce n'est pas pour condamner les gens. Au fait, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça vient de commencer. On a à peine un an d'expérience là-dessus. Donc, ça nous demande quand même un réveil, qu'on soit réveillé là-dessus, qu'on nous dise, écoute, peut-être tu penses bien faire, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Tout à fait. Ouais. C'est pas la bonne façon de faire. Les gens doivent être conscients. C'est pas... Tout n'est pas utile, en fait. C'est pas parce que tu as cette possibilité, effectivement, de te connecter, de faire un multiculte, entre guillemets, ou d'avoir l'église à la carte, que tu dois absolument t'en servir, en fait. C'est ça. La technologie, aujourd'hui, te permet de le faire, de l'avoir, mais c'est pas fait pour toi. Tu dois, la Bible dit, tu dois appartenir à une famille spirituelle. Tu dois être planté quelque part, hein, parce que les dangers de ça, là, du zapping, un coup, tu t'installes, tu as quatre cultes en même temps, tu te connectes là, tu zappes, tu connectes là. En fait, à un moment donné, on ne sait plus où tu es. Tu dois être planté spirituellement quelque part, de telle sorte que lorsque Dieu te voit, te cherche, il te trouve dans un endroit. Quand Dieu vient, il doit savoir, ma fille, mon fils, tu es dans quelle famille spirituelle? Est-ce que tu es là où moi j'étais planté? Il le dit même dans sa parole, hein, dans le livre de dans le psaume 92, verset 13, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et il dit aussi, j'ai trouvé une demeure pour mon peuple Israël. Je l'ai planté afin qu'il ne soit plus agité. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, bien-aimé, la Bible dit que Dieu te plante dans une famille spirituelle. Et donc cette famille, c'est ta maison, voilà. Est-ce que quand on avait des cultes en présentiel, tu disais, ok, ce dimanche, je vais là, je fais 30 minutes, après je prends ma voiture, je vais à tel endroit, je fais 30 minutes. Non, tu allais dans la maison du Seigneur, dans la famille spirituelle où le Seigneur t'avait placé, planté, voilà. Comme ça, au moins, tu n'es pas un électron libre. Voilà. Tu n'es pas un SDF spirituel. Voilà, c'est ça. Tu as une maison, tu as un toit. Parce que dans la maison, la Bible dit que Dieu te donne un refuge. La famille spirituelle, c'est un refuge. Le jour où quelque chose t'arrive, on sait où te trouver. Dieu sait où te localiser. Dieu sait parler à son berger, qui est le père de la maison. À laquelle il t'a planté. Il t'a planté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ton pasteur peut prier pour toi. Mais on ne sait pas où tu es. On ne sait pas d'où tu viens, d'où tu viens, ce n'est pas trop le problème. D'où tu es réellement, aujourd'hui, où est-ce que tu es? Et ça, c'est vraiment important. Je suis la brebis du Seigneur, oui, mais Dieu te confie à un berger. Voilà, il n'y a aucune brebis comme ça qui est jetée en l'air, comme ça, non. Jetée en pâture, non. Non,
Dieu confie toujours chacun de tes enfants. Lorsque tu nais de nouveau, il te confie à une famille spirituelle. Plante dans une famille. Il te plante. Parce que là, il veut te retrouver. Il veut te donner des repères. Il veut que tu grandisses. C'est dans ta maison que tu fais le culte. C'est là. Si tu veux écouter ce qui s'est passé ailleurs encore, enfin, ça dépend. OK, il n'y a pas de souci, mais tu es d'abord dans ta maison et après, tu peux maintenant te connecter si tu veux dans l'après-midi. Mais tu fais ton culte. Amen. Là, tranquillement. Amen. C'est exactement ce que tu dis parce que justement, on doit faire le culte dans cette maison dans laquelle Dieu nous a confié parce que c'est là qu'il y a l'alimentation dont nous avons besoin. Amen. C'est là qu'on a la nourriture, en fait, dont on a besoin. Et c'est vrai que on n'est pas supposé, comme tu le disais, Pasteur Maud, écouter toutes les paroles dites partout, parce que en fait, toutes les paroles ne sont pas, parce qu'on a un accès facile, qu'on doit forcément y aller. Ça me fait penser un petit peu au buffet. On aime bien les buffets en général, avoir des beaux buffets bien dressés. Et souvent, la particularité du buffet par rapport au service à l'assiette, c'est qu'il y a plusieurs petites choses et souvent on a envie de tout déguster. Mais même quand il y a un buffet, je ne vais pas tout manger. Même si je mets tout dans mon assiette, je ne pourrai même pas tout manger. Donc, ce qui est vrai dans le naturel est vrai aussi dans le spirituel. Parce qu'en fait, à force de tout mélanger, ça va causer en fait un problème au niveau de notre corps. Une indigestion. Une indigestion, exactement. Mmh. Et c'est vrai que toutes les paroles en fait ne sont pas bonnes. Dans Galates 1, versets 8 à 9, la Bible dit « Mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, via les nouvelles technologies, on a des évangiles qui sont anathèmes. Il y a des choses qui ne sont pas les bonnes paroles. Mais quand bien même si il y a des bonnes paroles, alors, il y a des mauvaises paroles, ça, du coup, on ne doit pas les écouter. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit, elles sont anathèmes. Mais même dans tous ces flots d'informations, il y a aussi des paroles qui sont bonnes, mais qui ne sont pas les paroles que nous devons recevoir aujourd'hui. Amen. Dans Jean 16, verset 12, il est dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » Ça veut dire que Jésus disait à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, j'ai encore beaucoup de messages que je ne vous ai pas encore donnés, mais dans ces paroles, là, vous n'êtes pas encore assez mature pour pouvoir les porter. Ça veut dire que la bergerie dans laquelle on va aller, le berger, s'il est conduit lui-même par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pourra nous donner la nourriture dont nous avons besoin à l'instant T. Amen. Voilà. Et ça, c'est vraiment important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, de le comprendre. Ce n'est pas qu'on essaye de dire, en tant que pasteur, vous devez rester dans cette maison, écouter ces messages-là, parce qu'on va avoir la main mise sur les personnes. Ah non, en fait, on voit le danger venir. Hein. C'est toujours comme ça. Les gens, ils vont n'importe où, ils vont se faire des indigestions, ils vont choper des choses, et après, ils reviennent dans la maison malade. C'est nous qui devons les soigner. C'est nous qui devons les soigner. C'est nous qui nettoyons. C'est comme ça, en fait. Voilà. Parce que ton père, enfin, je reste toujours dans la dimension d'analogie. Si on parle, on dit que l'église est une famille. Là où le Seigneur t'a planté, c'est ta maison. Tes parents savent exactement qu'est-ce que tu as mangé lundi. Lundi, ils t'ont nourri avec un tel type de nourriture. Ils savent que mardi, parce qu'il y a des plats qui sont préparés pour la semaine. Oui. Donc, ils savent déjà ce que tu as mangé lundi. Et puis, ils savent qu'est-ce que tu dois manger mardi pour qu'à la fin de semaine, tu puisses avoir une alimentation équilibrée. Tout à fait. Mais si tu manges lundi à la maison, c'est la pizza. Tu vas chez les voisins, et c'est le mardi, la pizza. Tu manges la pizza mardi. Le mercredi, tu vas chez la tante. Tu manges la pizza encore. Toute la semaine, tu manges la pizza. Tu vas être malnutri. Malnutri, constipé et malade. Constipé et malade. Voilà. Et c'est ça qu'on retrouve, malheureusement dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont en contact avec la parole, mais la parole n'est pas digérée. La parole ne les traverse pas. Ils ne peuvent pas recevoir les nutriments qui sont dans la parole pour les transformer. Et on se retrouve avec des gens à un moment donné qui ont l'impression que la parole ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas que la parole ne fonctionne pas, frère. C'est parce que tu as mal consommé, au fait, parce que tu as pris ce que tu devais manger hier, tu l'as mangé avant. Et ça a créé une indigestion et ça a créé une carence. Ça a créé une malnutrition. Donc vraiment, il faut que par la grâce de Dieu, nous puissions développer une manière de fonctionner au jour d'aujourd'hui avec le contexte que nous avons à l'extérieur, même si on a l'accès à toute cette nourriture. La preuve, naturellement, il y a plusieurs magasins qui vendent la nourriture, il y a plusieurs restaurants qui existent. On passe pas notre temps à rentrer, quoique c'est payant.
C'est payant peut-être, ça dissuade, mais au-delà de ça, on a cette sagesse-là naturellement. Mm-hmm. Il faut vraiment que le Seigneur, par sa grâce, nous amène à développer la sagesse spirituelle dans la consommation aussi de tous ces messages. Tout à fait. Demeurer dans la maison, tu reçois la nourriture qui est appropriée à la dimension de ton estomac aujourd'hui. Parce que ton père, il connaît ton âge spirituel. Exactement. Il connaît ton âge spirituel. Il a prévu un menu pour ça. Il est en contact avec Dieu qui dit, voilà comment tu vas nourrir mon peuple. Amen. Mais toi, tu fais le papillon, paf, mais tu vas devenir malade, en fait. C'est ça. Et on trouve beaucoup de chrétiens comme ça, déséquilibrés, qui pensent connaître des choses, ils connaissent rien du tout. Ils mangent la parole qu'ils ont du mal à mettre en pratique, c'est compliqué, quoi. Ça crée, moi, je crois qu'un désordre et un déséquilibre, en fait, dans le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on en parle, je trouve, parce qu'au moins connecté au son de notre voix, quelqu'un va peut-être se retrouver ou bien reconnaître une personne qui est dans cette situation. Sache que Dieu a prévu des bonnes choses pour toi, mais tu dois manger à la maison, comme Pasteur Christian nous avait dit. Mange d'abord à la maison. Et travaillons dessus, parce que c'est notre vie maintenant. Hein, le Covid a amené ça, c'est vrai, mais c'est pour rester. L'église digitale, on va pas arrêter. On va continuer à avoir des messages en ligne, par les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on développe cette sagesse-là, cette sagesse de consommation. Tu te restreins, tu dis, je ne vais pas faire la boulimie spirituelle, je ne vais pas commencer à manger partout, mais je décide que je vais me nourrir ici et je reçois le message. Et la plupart du temps, par la grâce de Dieu, nous avons des pasteurs qui nous apportent la parole par série. C'est une série de messages. Donc, tu ne viens pas prendre juste un message dans la série, tu auras manqué quelque chose. Il faut que tu te nourrisses de la série pour que ça entre, que tu digères et que la transformation puisse se faire. Pour qu'on commence à voir vraiment des chrétiens qui vivent ce qu'ils entendent et qui intègrent la parole qu'ils reçoivent. Des chrétiens qui ne sont pas superficiels et légers parce qu'ils auront été écoutés seulement les messages qu'ils aiment. C'est vrai que si on nous demandait tous les jours ce qu'on voudrait manger, on pourrait manger tous les jours la même chose. Pour pouvoir grandir. Les enfants, vous leur demandez, ils disent, je vais manger les pâtes. Les desserts tous les jours. Heureusement, les desserts et les pâtes. Heureusement que les parents n'écoutent pas les enfants pour faire le menu de la semaine. Voilà. C'est vraiment ça. Et tout à l'heure, tu disais, Pasteur Maud, qu'on est planté. Le but d'être planté dans une église, c'est pas seulement de rester là. Le but de quelque chose qu'on plante, c'est que cette chose puisse grandir et croître. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ça veut dire que la bergerie dans laquelle Dieu nous a placés, il y a tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir croître convenablement, pour pouvoir grandir, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir devenir cette personne que le Seigneur m'aspire à être. Amen. Et c'est vraiment important. Je dois vraiment en être conscient, valoriser cela, rendre grâce à Dieu pour la maison dans laquelle je suis. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, je ne connais pas de maison parfaite, mais en tout cas, je sais que Dieu m'a placée ici, et donc je reste, je m'accroche, j'écoute les paroles, j'écoute les messages, je grandis, et comme le thème de cette conférence, je veux rayonner, je veux briller. Amen. Exactement. Et je dois désirer grandir, parce qu'il y a des gens qui sont plantés, ils ne veulent pas grandir. On leur dit de faire ci, ils ne font pas. Ils ne mettent pas en pratique la parole, ils suivent leur propre voie. Et quand ils se cassent la figure, ils commencent à accuser la maison. Ah non, c'est là-bas, c'est comme ça. Ah non, 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 non. Et ils passent leur temps à accuser, parce qu'évidemment, l'être humain a du mal à assumer, à prendre sa responsabilité. Donc la même nourriture est donnée à plusieurs, mais certains font de la résistance. Et quand ils font de la résistance, tout de suite, ils trouvent que leur problème, c'est le pasteur. Le problème, c'est l'église. Le problème, c'est ici. Et du coup, ils vont sortir. Et quand ils sortent, ils se mettent en embuscade à l'extérieur. Vous dites, n'allez pas là-bas. Là-bas, c'est telle chose. Là-bas, c'est comme ci. Là-bas, c'est comme ça. Ils sont au courant de tout ce qui est apporté partout. Ils connaissent tout. Et puis, il n'y a rien. Eux-mêmes, ils ne sont pas transformés. Voilà. Ils ont comme une fausse satiété, au fait. Ils ont un sentiment de satiété, mais dans le fond, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme ils se sont bourrés, au fait. Ils ont avalé sans avoir consommé la substance qu'il y a à l'intérieur. Ils n'ont pas bien mâché. Voilà. Ils ont mangé des gros morceaux et puis ça commence à leur... Et ça remplit un peu l'estomac. Ça remplit l'estomac, ça donne l'impression qu'ils sont forts, qu'ils sont formés. Mais dans le fond, ils n'ont rien. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas... C'est pas comme une lecture d'un roman. On ne lit pas un roman. On vient pour recevoir, comme on a dit, on est planté pour être arrosé, mais pour croître. Il faut que la parole arrive à nous transformer.
quand tu te rends compte que la parole n'amène plus cette transformation dans ta vie, arrête-toi, pose-toi la question, est-ce que vraiment, quand j'écoute la parole, je l'écoute pour ma transformation ou je l'écoute comme les informations? Une information, mmh. Comme pour une être information. En avance, pour savoir tout. Genre, pasteur commence une phrase et moi, je finis la phrase. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est ça le but? Mmh. C'est la question qu'il faut qu'on se pose, au fait. Mmh. Parce que sinon, on va passer des années à l'église. On va passer des années dans la maison de Dieu et on n'aura rien, on n'aura pas changé, on aura toujours la même stature, on sera chétif et après on va commencer à développer les jalousies. Exactement. Parce que d'autres viennent avec une motivation après nous. Ils mangent toutes les paroles qui sont données, ils prennent le temps de digérer, de mâcher, de décortiquer, ils laissent le temps de la parole de descendre, les rassasier et ils commencent à grandir. C'est ça. Ils commencent à grandir. Et les autres, donc, ils deviennent des sujets de jalousie, en fait. Voilà. Les autres te regardent, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, bien-aimé, c'est pas bien. C'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Je vous assure que l'Église est une vraie bénédiction. Mmh. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est l'assemblée, c'est le rassemblement des saints, des fidèles. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Mmh. Et le Seigneur, lorsqu'il a créé l'Église, lorsqu'il a formé, vous savez, les disciples, quand ils étaient là dans la chambre haute, où le Seigneur Jésus leur a dit, surtout ne quittez pas cet endroit. Mmh. Seul, vous serez tellement vulnérable, vous ne pourrez pas opérer, vous ne pourrez pas aller à la dimension où je vous attends, vous ne pourrez pas faire les grandes choses que je vous avais promis. Mais ce n'était pas un individu, c'était un groupe de gens. C'était une église, une assemblée, ils étaient là. Un corps, voilà. Ils étaient tous un. Ils avaient les mêmes sentiments, ils avaient les mêmes attentes. Ils espéraient enfin vivre la vie que Christ leur avait promis. Et le Seigneur a dit, ok, j'ai vu vos cœurs, vous êtes disposés. Maintenant, il vous manque quelqu'un, il vous manque le Saint-Esprit. Donc, ne bougez pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, depuis que le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, l'Église, c'est une vraie bénédiction. Amen. Le corps de Christ est fort. Amen. Normalement, hein, le corps de Christ est fort. Une seule Église dans une ville, dans un pays, peut changer l'atmosphère spirituelle de ce pays. Si seulement ceux qui composent cette Église-là, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, sont conscients de qui ils sont, de ce qui est à leur disposition, de comment eux, ils doivent se comporter, comme étant les enfants de Dieu. Amen. Si seulement, voilà, si seulement. Aujourd'hui, les gens se déchirent, ils s'entretuent, ils s'arrêtent dans les comparaisons, alors que Dieu nous a donné tous ensemble la même mission. Mm-hmm. La même mission. Dieu a donné à l'Église, à son Église, parce qu'aux yeux de Dieu, c'est une Église. Église. Voilà. Amen. Effectivement, il y a dans l'Église, après, il y a les assemblées. Mm-hmm. L'assemblée de Corinthe, l'assemblée de Rome, l'assemblée de Philippe, d'Éphèse, voilà. Mais au départ, c'est une histoire du corps de Christ et de l'Église. Voilà. Et après, selon le lieu où tu te trouves, le Seigneur va permettre que tu sois dans une assemblée, l'assemblée locale. Mm-hmm. C'est pour ça que l'apôtre Paul devait dire aux chrétiens des Hébreux, aux Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume à quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. C'est là d'autant plus que vous soyez. Vous voyez le jour. Approcher le jour. En parlant, approcher le jour du Seigneur. Dans du le temps. Seigneur, voilà. Ça veut dire que l'apôtre Paul ou le Seigneur exhortait ses enfants d'être dans les assemblées, d'être ensemble, parce qu'ensemble, ils allaient avoir la communion fraternelle, ils allaient échanger donc, avec la parole, et ils allaient grandir, croître, parce que c'est au milieu de l'assemblée que Dieu envoie sa parole. Il envoie la bénédiction à travers le pasteur qu'il a établi dans l'assemblée. Amen. Ça, ce sont des choses en fait, qui commencent à disparaître aujourd'hui. C'est comme si en fait, les chrétiens ne se rendent pas compte, mais tout doucement, on peut se retrouver un jour où plus personne n'a une assemblée, plus personne n'a un père. C'est un piège, pasteur. Avec l'Église à la carte, c'est un peu ça qui est visé. C'est un piège. Hein. Ça a l'air anodin, mais le diable, il passe par des choses qui sont bonnes. Il est perverti pour aller tirer son gain à lui. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être avisés. Nous devons être comme les fils d'Issacar qui sont prévenus par rapport au temps, à regarder le temps et à être capable de lire dans le temps, savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et ça, c'est vraiment chaque enfant de Dieu qui doit avoir cette décision-là. Parce que les pasteurs, c'est vrai, on parle aujourd'hui par la grâce de Dieu, on est convaincu que l'Église nous écoute, mais chacun doit prendre la résolution d'appliquer. C'est ça. Parce qu'un doigt qui se promène dans la rue, c'est pas normal. On trouve normal un doigt rattaché à un corps.
On ne peut pas devenir des électrons libres parce que la technique du diable, c'est toujours d'isoler pour détruire. Tout à fait. Voilà. Et il va t'isoler de manière subtile. Parce que s'il vient dire « quitte ton église », tu ne quitteras pas ton église. Mmh. Mais il nous suggère ces choses-là. Soyons vraiment sages, sachant qu'on ne peut pas se laisser aller dedans. On doit, par la grâce de Dieu, rester connecté à notre église. Mmh. Et je pense qu'on a eu une émission dans la semaine où on parlait de la couverture. Mmh. Il y a aussi la dimension de la couverture spirituelle qui devient tellement importante. Mais cette couverture, tu la trouves quand tu es greffé dans une maison où le Seigneur a institué un pasteur, un berger qui est là pour paître le troupeau. Mmh. C'est la grâce qu'il y a sur ce berger coule sur toi. Mais quand tu es à l'extérieur, tu deviens électron libre et tu peux être atteint n'importe quel comment. Tout à fait, tout à fait. Et ça, les gens ne voient pas. Moi, j'ai tellement de témoignages, on n'a pas forcément le temps d'en parler ici. On en avait parlé lors de l'émission précédente, en fait. Des gens qui étaient rattachés dans une famille spirituelle et pendant qu'ils étaient là, alors, on ne dit pas que ça y est, ils sont devenus milliardaires. Ou... Mm. Non, vous savez, la vie est faite de saisons. Hein. Exactement. Donc, on peut aussi passer des moments difficiles. Mais attention, il faut relativiser les choses. Mm. Donc, moi, je connaissais ce couple-là qui vivait normalement. Je les voyais avec leur enfant venir. Le frère avait l'air ravi parce que on le connaissait, hein, il avait accepté le Seigneur et on savait d'où il venait. Mmh. On savait qu'il avait, dans le passé, eu des challenges et il y avait des réclamations au niveau de sa famille. On a dû prier pour ce frère-là. Il a été libéré hein, des oppressions, libéré des puissances du mal. Donc, il sait, il connaît. C'est pas qu'on lui a raconté, mais c'est une expérience qu'il a vécue. Mm. Il sait, c'est dans son témoignage, il le sait. Mm. Et bien plus tard, il s'est marié. Il est venu avec sa femme à l'église. Donc, on les voyait. Et quelques temps après, on ne les voyait plus. Après, on voit arriver un mail. Pasteur, non, on a décidé, mon épouse et moi, d'aller dans une autre assemblée. Bon, on a dit, il n'y a pas de problème. On était un peu triste. On a dit, ah, mais toi, on te connaît, en fait. On connaît ton histoire. Bon, attends, l'homme est libre. Là où tu vas aussi, c'est une église. Gloire à Dieu. Donc, il est parti. Il nous a donné le nom de l'église. On dit qu'il n'y a pas de souci. Pasteur a prié pour eux, pour la laisser partir. Sauf qu'ils sont partis, ils se sont installés. Et quand il a mis les pieds là-bas, il a commencé à avoir des problèmes qu'il n'avait pas eu. C'est-à-dire, c'est comme si tous les problèmes qu'il avait eu avant sa conversion, les challenges sont revenus. Mmh. Mais puissance 10, hein, il a commencé à avoir des oppressions, à ne pas dormir la nuit, à être tourmenté. C'était vraiment compliqué à tel point qu'il n'en pouvait plus, il a appelé au secours en fait. Et heureusement pour lui, il avait un bon cœur, tu vois, il a un bon cœur, voilà, c'est un frère, il a un bon cœur, parce qu'il y a des gens, même vivant des choses difficiles comme ça, mais l'orgueil de l'homme, l'orgueil de l'être humain fait en sorte qu'ils n'en parlent pas. Mmh. Ils restent dans le silence et comme ça, ils vont voir leur vie se dégrader. Et j'ai l'impression que c'est une stratégie de l'ennemi, c'est comme ça qu'il veut isoler. Et donc, il isole d'abord, après il t'achève, parce qu'il sait que tant que tu es là-bas, je ne peux pas te toucher. Pas t'atteindre. Tant que tu es là-bas, je ne peux pas, parce qu'il y a une couverture qui est là. Ça te protège trop, c'est un abri pour toi. Mais pour moi, il faut que je te sorte. Alors pour te sortir, je vais commencer à te montrer tout ce qui ne va pas dans cette famille. Disons, t'as vu le pasteur là, t'as entendu ce qu'il a dit aujourd'hui. Je vais t'attirer vers les personnes qui critiquent l'église. Alors que toi-même, tu connais ton histoire. Voilà, c'est ça en fait. Les gens, bien-aimé, ne laisse pas quelqu'un téléguider ta vie. Tu connais ton histoire. Les gens là qui parlent, là, ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas d'où tu viens. Voilà. Le salut est personnel, bien-aimé. Ne laisse pas, ne sois pas influencé par les gens qui, en fait, ils n'ont pas de relation réelle avec Dieu, mais leur job, c'est de pouvoir être des porte-parole, je ne sais pas de qui et de quoi, et de pouvoir polluer d'autres personnes que Dieu a plantées quelque part. Ne sois pas distrait. Amen. Voilà comment ce frère, il se rend compte, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais quelque part, j'avais du repos. Là, je n'ai plus de repos. Je suis tourmenté. Ça devient très, très difficile. Ça devient critique. Alors, le frère a envoyé un mail. Pasteur, vraiment, je te demande pardon. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et même son couple était en train de tanguer. De battre de l'aile. C'est vraiment compliqué parce que des oppressions pareilles, la femme n'arrivait pas à supporter. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends pas. C'est comme ça. Je demande le divorce. Il commençait à avoir des problèmes sérieux. Et le frère a été humble. Il a demandé pardon. Il est revenu. Tout s'est arrêté. Amen. Vous voyez, je ne dis pas que nous, hein, ce n'est pas nous du tout. Hein. Je me dis que dans le monde spirituel, il y a des lois spirituelles qu'il faut respecter. Et il faut se connaître soi-même. Amen. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a un passé. Toi, tu sais d'où tu viens. Mais ne le laisse pas
influencés par les gens qui ouvrent des plateformes, qui veulent absolument. Toi, tu viens témoigner chez nous, viens faire ci. Toi, tu es qui? Est-ce que c'est toi qui m'as sauvé? Tu ne connais pas mon histoire. Ce n'est pas toi qui m'as amené au Seigneur. Même si Dieu s'est servi de toi pour m'amener au Seigneur, mais ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Et puis, Dieu, c'est pas toi qui as donné ta vie pour moi. Il sait où il te veut. Oui. Il sait où il t'a planté. Oui. Il sait où il a déposé les grâces pour les gens de couverture dont tu as besoin. Il sait que dans cette maison-là, j'ai une grâce particulière que j'ai déposée sur tel berger. Lui, il sera capable de te couvrir par sa prière, par les grades que j'ai déposés sur ses épaules pour que tu sois couvert et que tu ne sois pas touché. Parce que par rapport à ta situation, par rapport à ta on n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous la même histoire. Parce que comme tu l'as dit, on est un corps, on a des assemblées. Chacun est placé dans une assemblée selon ses besoins, selon ses capacités. Ce n'est pas une question de vouloir s'accaparer des âmes. Non, on n'est pas à ça. Non, c'est vraiment que ne te laisse pas influencer. Et puis surtout, ne pense pas que tu es trop fort pour ne pas être influencé. Parce qu'à chaque fois que tu vas rester avec des gens qui parlent mal, qui calomnient, à un moment donné, ça rentre tranquillement. Et c'est toujours les mauvaises compagnies qui corrompt les bonnes mœurs. C'est jamais, c'est le contraire. Jamais le contraire. Voilà. Ne te dis pas que tu vas influencer, tu seras influencé à un moment donné. Et sache que les esprits qui ont été chassés ou qui ont été maîtrisés, ils sont partis. Ils sont allés chercher cet autre plus fort et ils rôdent, ils attendent une occasion favorable. Oui, et l'occasion favorable qu'ils vont créer, c'est de te sortir sous la couverture qui te protège, qui fait qu'ils ne peuvent pas te toucher. Et à ce moment-là, ça sera difficile. C'est une loi spirituelle. Alors, il y en a qui traduisent ça, ouais, mais ça veut dire quoi? C'est l'idole, ça veut dire que cet homme de Dieu est venu Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu passe par les hommes pour visiter les autres hommes. Voilà. Ça, c'est une loi spirituelle. Il y en a qui disent, ouais, qu'est-ce qu'il veut dire? Non. C'est la vérité, nous on le vit tous les jours, on le voit. Notre Dieu c'est un Dieu d'ordre, sinon il n'aurait pas créé d'assemblée du tout. Oui. Il n'aurait pas donné à son corps les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs. Il n'allait pas faire ses dons à son corps qui est l'Église. Amen. Quand Dieu fait ses dons parce qu'il sait que l'Église, les hommes ont besoin de ses dons. Ils ont besoin de ces hommes. Voilà. Alors, il a dit c'est pour l'édification des saints en fait, oui, c'est vraiment ça. Voilà, c'est dans un corps. Tout à fait. C'est dans l'église, pas dehors. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui sortent des doctrines comme ça pour dire non, nous on est en train d'étudier soi-disant le phénomène. Le phénomène de quoi? Va t'étudier toi-même. Pour laisser les gens tranquilles là où ils sont. Voilà. Amen. Les gens, ils n'ont rien à faire en fait. Voilà, excusez-moi, je suis un peu... Parce que je vois trop des gens subir cela. Tu n'as rien à faire. Tu as un mari, tu as une maison. Va t'occuper de ta famille, va t'occuper de tes enfants. Laisse les gens tranquilles. On n'a pas la même histoire. Tu ne connais pas l'histoire des gens. Tu es là sur les réseaux sociaux, tu as entendu là-bas, viens témoigner ici, tu es qui? Laisse les gens tranquilles. Ce n'est pas toi qui les as sauvés, laisse les gens tranquilles. Les gens ont besoin de Christ, ils ont besoin de vivre la réalité de Christ. Amen. Laisse-les tranquilles. Si toi tu n'es pas d'accord avec l'Église de Dieu, alors crée ton Église chez toi à la maison. Commence à convertir tes enfants, commence à convertir ton mari, voilà. Mais laisse les gens, c'est incroyable. Ça fatigue en fait. Ça fatigue. Ça fatigue vraiment. Voilà. Bien-aimés, soyons vigilants. Il y a tellement de phénomènes aujourd'hui dans le monde. Nous voulons briller. Cette conférence, cette année-là, c'est brille. Tu veux briller, mais je t'assure qu'il y a les ténèbres dehors qui ne veulent pas que tu brilles. Donc, eux, ils sont déjà ténèbres. Ils veulent absolument te contaminer, t'empêcher de briller. Et ils vont te distraire par les stratégies, te distraire par toutes sortes de choses. Mais tu dois refuser. Tu dis, je refuse au nom Amen. De Jésus. Amen. Refuse ces stratégies de l'ennemi. Refuse cela. Amen. 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 Tu veux dire quelque chose? Non, vraiment, ce que tu dis est tellement vrai que je ne peux qu'acquiescer et dire Amen à cela. C'est tellement important de pouvoir, dans ces temps de la fin, on n'a plus le temps, en fait, pour les querelles, pour les jalousies. On doit vraiment se mettre sur les starting blocks de nos couloirs, de notre destinée et avancer, en fait. Moi, je pense que plus que jamais, l'Église a besoin d'être vigilant. Oui. D'être vraiment au taquet. D'être vigilant et d'observer ce qui se passe dans le monde. Yes. Et de plus que jamais, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Amen. Davantage qu'il se sanctifie, parce que le Seigneur ne tardera pas. Et c'est comme si, en fait, pendant ces temps-là, il y a comme une pression qui fait en sorte que toi qui étais assidu, qui étais connecté au Seigneur, mais à force d'écouter les gens de l'extérieur, tu as commencé à lâcher prise, à baisser la garde, voilà. Parce que il y a trop d'agitation, bien-aimé. Donc vraiment, nous, ce matin, nous voulons vraiment, alors que tu t'es levé, toi qui te lèves tôt, gloire à Dieu, hein, tu ne te lèves pas comme le frère tout à l'heure, alors avec un coup de téléphone à 8 heures et puis qui passe une heure. Non, nous devons nous lever tôt, vraiment, en consacrant notre temps
au Seigneur et nous voulons que cette émission Sagesse Matinale puisse vraiment vous apporter éclaircissement, vous apporter des clés et cette émission puisse vous édifier hein, au plus profond de nous-mêmes. En fait, on dit ces choses, c'est pas, non pas pour nous-mêmes, mais en fait, c'est vraiment une occasion de partager afin que beaucoup puissent être mis en garde et beaucoup puissent échapper de la fosse, échapper des griffes de l'ennemi, échapper du filet de l'oiseleur. Voilà, c'est ce qui rôde en ce moment. Et nous prions que, alors que nous arrivons à la fin de cette émission, nous prions que chacun de vous puisse briller, rayonner. L'Église à la carte, c'est une réalité. Mais tu dis que ce n'est pas une réalité pour ma vie, ce n'est pas une réalité dans ma vie. Ça, c'est une utopie, enfin pas une utopie, ce n'est pas une réalité. Pour moi, l'Église, c'est la vérité. L'Église, corps de Christ, où je dois rendre un culte à Dieu, qui est une vérité qui restera une vérité établie dans ma vie. Amen. 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 Gloire Amen. Au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu as quelque chose à dire. En tout cas, on a tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit. On ne peut que dire Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été ravis de vous avoir ce matin et nous vous encourageons à vous lever tôt. C'est un moment de bénédiction, c'est un moment de partage que nous passons ensemble. Méga Impact Conférence, c'est une grâce d'être vraiment ensemble, de partager, de discuter, d'échanger pour la gloire du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et là où vous êtes, brillez, resplendissez. Amen. 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 Nous vous disons à très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Restez connectés, ce n'est pas fini. Au revoir. Au revoir.